Salut, nous sommes heureux de vous retrouver aussi nombreux et assidus à notre émission 7 profs. Cette émission consiste à réviser autrement quelques cours et trouver des astuces pour résoudre les difficultés de la langue. Aujourd'hui, nous traiterons de quelques règles de conjugaison qui sont difficiles à cerner. Quelques confusions persistent encore entre les homophones des verbes avoir et être. On a « est », « eu » et « fu ». Il faut écrire « est » avec « a-i-e » quand le pluriel est « ayant », c'est le présent ou le passé du subjonctif. Exemple, la pluie arrive sans que j'aie trouvé un abri. Au pluriel, cela donnera, la pluie arrive sans que nous ayons trouvé un abri. Donc, il s'agit ici de « est » qui s'écrit avec « a-i-e ». Si « est » fait « avant », c'est le présent de l'indicatif ou le passé composé. Exemple, le coin que j'ai trouvé est agréable. Comment vais-je écrire ce j'ai? Alors je le remplace par avons. Le coin que nous avons trouvé est agréable. Alors il s'agit de est qui s'écrit avec a, i. Il faut écrire e et fu sans accent quand le pluriel est ur ou fur. C'est le passé simple ou le passé antérieur. Quand il eut fini, il partit. Alors si on met au pluriel, cela donnera. Quand ils eurent fini, ils partirent. Ou encore, il fut chassé après, il fut chassé par le mauvais temps. Ils furent chassés par le mauvais temps. Alors, eu et fu prennent un accent grave, un accent circonflexe, quand le pluriel est us ou fus. On peut les remplacer par est qui s'écrit avec ait ou soit. C'est le conditionnel, deuxième forme, ou l'imparfait du subjonctif. Exemple. Bien qu'il fût fatigué, il continua la course. On peut dire, bien qu'il soit fatigué, il continua la course. Ou encore, quoiqu'il eût des soucis, il ne se plaignait pas. Quoiqu'il ait des soucis, ici, est s'écrira avec A, I, T, il ne se plaignait pas. Je sais que ce cours est très technique, c'est pourquoi il nous faut réfléchir plusieurs fois avant de mettre un accent, surtout sur une forme verbale quelconque. Quittons cet aspect purement technique et jouons avec notre fidèle partenaire, le projet Voltaire. Pour bénéficier du tarif le plus bas, il faut prendre un train après 9 heures. Pour bénéficier du tarif le plus bas, il faut prendre un train après 9 heures. Où est la faute ici? Ici, c'est heure. 8, de même que 4, 7, 16 et tessera exprime un pluriel. Il est donc logique de mettre un S au nom qui le suit, même s'il s'agit d'une heure. Il est 8 heures avec un S et 10 heures et 10 minutes. La phrase correcte est « Pour bénéficier du tarif le plus bas, il faut prendre un train après 9 heures sans oublier le S. » Ce mascara est miraculeux. Il double la longueur des cils. Ce mascara est miraculeux. Il double la longueur des cils. Où est la faute ici? La faute est ici à la cédille. Pour permettre au son se de produire, de se produire comme dans saucisse, devant les voyelles A, O, U, on lui met une cédille. En revanche, devant les voyelles E, I et Y, on ne met pas de cédille au C pour obtenir le son se. La phrase correcte est alors, ce mascara miraculeux, il double la longueur des cils ici avec un C et non la cédille. Est-ce que la menace de grève des producteurs de lait est sérieuse? Est-ce que la menace de grève des producteurs de lait est sérieuse? Y a-t-il une faute ici? Très bien, il n'y a pas de faute. On ne peut pas dire « est-ce que » et à la fois procéder à l'inversion du sujet. C'est pourquoi notre phrase ici est correcte. L'envoi de SMS chez les adolescents ne cesse d'augmenter. L'envoi de SMS chez les adolescents ne cesse d'augmenter. Où est la faute ici? Bien sûr, s'il y en a une. Très bien, il n'y a pas de faute. On voit avec « e » ou « on voit avec « es » et « O-I-E-N-T sont des formes du verbe envoyer. Envoi sans E est un nom. Pour savoir si vous avez affaire à un verbe conjugué, essayez de le mettre au futur.
Je prépare l'envoi de l'invitation, Donora. Je prépare l'enverrai de l'invitation. Ne veut rien dire. On n'a donc pas affaire à un verbe conjugué, mais à un nom en voix. C'est pourquoi notre phrase ici est correcte. Le samedi, la boutique ferme ses portes à 13h. Le samedi, la boutique ferme ses portes à 13h. Où est la faute? Oui, la faute ici est à heure. 8, ce n'est que 4, 7, 16, et tessera exprimé un pluriel. Il est donc logique de mettre un S au nom qui suit, même s'il s'agit d'une heure. La phrase correcte est « Le samedi, la boutique ferme ses portes à 13h avec un S. » Dans cette émission, toute grossièreté est censurée au montage. Dans cette émission, toute grossièreté est censurée au montage. Y a-t-il une faute ici? Très bien, il n'y a pas de faute. Censurer s'écrit avec effectivement un C et non un S et non un S et non C. C'est dit pourquoi? Parce que ici, il est devant un E. L'anglais ne s'apprend pas bien que l'anglais ne s'apprend bien que si on le pratique. L'anglais ne s'apprend bien que si on le pratique. Y a-t-il une faute ici? Non, il n'y en a pas. S'apprend ici prendra un D. Pourquoi? Parce que les verbes comme détendre, défendre et apprendre prennent un D et non un T habituellement. Soyez détenteurs de cette application en la téléchargeant sur vos supports Android, iPad et iPhone. Notre émission se poursuit avec nos collègues les bons profs qui traitent aujourd'hui du sujet d'argumentation. L'écriture argumentative fait partie des deux sujets d'expression écrite que vous pouvez avoir au brevet. L'autre étant le sujet d'imagination. Voici les différentes, les principales étapes qu'il faut suivre pour méthodologiquement pour réussir un sujet d'argumentation. La première étape essentielle à ne pas négliger, c'est la lecture de la consigne. Ne passez pas trop vite sur cette consigne. Isolez les mots-clés, soulignez les mots qui vous semblent importants et identifiez le type de sujet pour savoir exactement ce que l'on attend de vous. Ne vous lancez pas tête baissée sans avoir bien réfléchi à ce qu'on attend de vous. Est-ce qu'on vous demande d'étayer une thèse? Est-ce qu'on vous demande de la réfuter? Ou au contraire, est-ce qu'on vous demande une argumentation en deux parties qui consiste à établir le pour et le contre? Une fois que ce sujet est lu, analysé, réfléchi, vous passez au brouillon. Sur le brouillon, vous mettez vos idées, pas forcément en cherchant à les mettre dans l'ordre, sachant qu'une idée correspond à un argument et qu'à chaque fois, vous devez associer à cet argument un exemple. Privilégiez les exemples littéraires. Une fois que ces idées sont en place sur le brouillon, vous devez les mettre en ordre dans un plan, les regrouper par parties. Il y a trois types de plans selon le type de sujet. Le plan pour-contre. On vous demande d'établir la thèse, puis de la réfuter. Donc en deux temps. Le plan avantage-inconvénient. C'est le même principe que le plan pour et contre, sauf qu'en plus, dans la conclusion, vous apportez votre avis personnel. Enfin, le plan donner votre avis. Quand le sujet commence par donner votre avis, il ne s'agit plus cette fois-ci d'établir les pour et les contre, mais de choisir sa position et de l'argumenter. Une fois le plan élaboré, vous pouvez passer à la rédaction. Commencez bien sûr par l'introduction, en la soignant particulièrement, car il s'agit du premier contact avec votre correcteur, de la première impression qu'il aura de vous, de votre copie. Une introduction commence par présenter le sujet, puis par présenter la problématique, et enfin à annoncer votre plan. Après cette introduction, vous sautez une ligne et vous passez au développement. Le développement se construit en paragraphes. Un paragraphe correspond
à une idée. À chaque fois que vous changez de paragraphe, vous allez à la ligne et vous laissez un alinéa pour montrer que vous passez à une autre idée. Après ce développement, vous sautez une ligne et vous passez à la conclusion. Cette conclusion est soit un résumé rapide, soit également une prise de position personnelle. Enfin, ne négligez pas la relecture, c'est important. Plus votre copie sera soignée, notamment au point de vue de l'orthographe et de la syntaxe, plus elle fera bonne impression sur votre correcteur. En résumé, les 7 grandes étapes à respecter dans l'expression écrite pour un sujet d'argumentation. La lecture de la consigne, le brouillon, le plan, la rédaction de l'introduction, la rédaction du développement, la conclusion et la relecture. N'oubliez pas, sautez une ligne entre l'introduction et le développement et entre le développement et la conclusion. À l'intérieur du développement, faites des paragraphes à chaque changement d'idée. Écrivez-nous et faites-nous parvenir vos sujets sur notre page Facebook Canal 7-7 Prof. Bonne poursuite des programmes sur Canal 7 et à très bientôt, toujours avec le même plaisir.